comment nous y est tout le monde? Bon bagay, en forme, Depuis nous avons une boîte, c'est à dire, gen bagay dans la boîte. En tout cas, je dis à nous venir en automatique voltage regulator. Il va même régler la tête de gain avant, non? Dernièrement, qui régler la tête de gain? Nous avons gagné un variable regulator, non? Non, ça n'est pas variable. Ça, c'est un automatique voltage regulator, mais par contre, ils sont step up et step down à la fois. C'est-à-dire, les bonnes options pour se rentrer. Alors, comment vous avez dernièrement posé une question comme ça? Il y a un inverteur qui est 220, qui sorti 220-240. Est-ce que le cas utilisé? Il me dit, no way, vous allez griller tout le bagage à la caillou, vous pouvez regretter de faire ça. Je me dit, oh, le cas essayé, non, c'est bout de temps, il va quitter le travail pour trop longtemps. Non, pas que sa pièce. Ça a été là. Donc c'est pour ça surtout que je fais vidéo ça, je veux dire. Nous allons vérifier, nous allons open box et puis vous nous garder tout en dedans pour nous tester le tout. Parce que nous avons, même si nous avons 240 là, même dernièrement, nous avons peut-être. Nous n'avons pas arrivé à 200. Mais bon, peu importe. Nous allons essayer de faire élevé avec variable voltage regulator, nous avons avant. Et puis ça, automatique voltage regulator and step up, step down. Il fait tout bas à donc nous allons rapidement ouvrir. Pour nous, ouais, ça qui est dans l'estomac. Et pour nous, on fait ça, facilité. Donc, mais ça, loup à bas, mes amis. Donc, ouais, si c'est pas en bas. Oh, qui côté va essayer de coller? Bon. Marie, well, peu importe. Oh, de façon. Ok, et bien, on va vite. Ça, loup. C'est un loup pour oublier. Avant, on met des outils, des amis, et on va le blesser, non? Au pire, devant nous, on a besoin. On met là. Façon plus facile pour nous retirer, c'est à virer le face en bas. Je vais boîte là comme ça. On va mettre notre place après. Ok. Ok, bon. Ok, toujours bah, ça on déplie, on va en véritable manuel. Ok, donc nous allons vérifier pour nous voir ça le dit. Et puis, pour nous tester bien avant, on nous fait connaissance avec pour nous voir. Alors, il y a un adapteur pour plug 220-240. Ok, façon adapteur tout vient avec. Et 220-240 tout 110. Donc c'est ça, adapter ça à la bagaille. Et puis il y a deux manches, what? Et deux mon niveau côté, mes amis. De toute façon, il y a un plastique sous lui. Bon, en tout cas, on va prendre la manche. On va prendre l'autre jambe. C'est côté le plus faible là. Bon, on va. Ok. Donc, on va faire ça à Louis. Une belle fois. En tout cas. C'est que là, c'est qu'on en a bien besoin dans le basket, encore une fois. On va le tester, on va le lire rapidement, vous n'aurez pas rien là-dedans. Et puis vous nous testez tout. Oh, il y a deux, ça va aller. Non, 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 aucun problème. Ok. Ok, mais comment le paraît? Donc, ça le dit, il y a un circuit breaker sur lui, il y a la gagne ça. Il y a un switch on off. Son switch on off, il s'en. Et puis maintenant, AR, alors, 7 stars, c'est marque là. Ok, mais modèle là. AR 5000, ça est 5000 watts. Il y a un support de 5000 watts, c'est à dire qu'on va mettre tout le carreau sur lui. Il va fonctionner sans problème. Donc c'est dans ça pour inverteur qui partait qui était 220-240 là, nous avons utilisé ça, tout cas la cale sur les symboles, 5000 watts. Donc grosso modo, automatic voltage regulator, instruction manual, considéré comme manuel, mais bon, output mirror, shows the output voltage, oh, les gars ont mis le vent qui a monté voltage là, et bien les confuse, use the same. Current fuse for replacement. Si fuse a pas sauté, vous utilisez même pour faire négligence. Ok, je vous dis output 110 socket
et puis il y a 220 sockets. Tout. Ça, c'est un véritable voltage regulator. Il dit, if the input voltage is in the range of 190-250 volts, the regulator is able to provide 100% listed maximum output power. Donc, on va vérifier. OK? Maximum output power will change as the curve shown below. OK? Que vous montez, non? Devant là. Et il va varier en fonction de coupe ça que nous avons gardé dans l'écran. OK? C'est comme ça qu'il va varier. Et pour cas spécifique abonné nous parler hein, qui a un inverteur qui va être 220 et ça son pièce maîtresse là ça peut porter en pile et puis pour nous même tout c'est à dire moi tout bas je marche on va utiliser il y a ça pour toute la vie 5000 watts son bagage énorme c'est à dire la cap supporter tout ton caille qui pas gagner bail d'accord exagéré c'est à dire qui pas gagner ça supporter conditionnel cap on conditionner sur lui pendant reste qu'elle a fonctionné normalement frigidaire et puis ventilateur tout bas a fonctionné. OK, encore une fois mais nous avons un off power switch là et puis nous avons parti ça qui bail 220 volts tous deux, OK? Et puis ça qui bail 110 volts. C'est-à-dire nous pas faire test rapide. Ça dit nous si nous bal input 75 ou bien 130, là toujours bal nous 110 plus ou moins, nous va vérifier si ça, mais yo dit nous avons perdu plus ou moins 4%, OK? Plus ou moins 4%, nous avons gagné ou bien perdu, OK? Nous va vérifier suivant qui voltage nous bail là. Si nous avons perdu environ 4%, suivant qui voltage nous baille là, si nous baille maximum, si nous avons gagné plus ou moins 4% de voltage normal là, ok? Qui t'a supposé 120, je suppose 120 fait. En tout cas, et puis là, même genre, et ok? La perte là, avant plus ou moins 4%. Donc, nous allons vérifier, nous allons faire une connexion. Yo. Lui-même petit testeur non à mettre le sous voltage là AC DC les tous deux mais au juste switch li avec bouton ça, OK? Là on met le sous voltage voilà et puis on met le sous DC là sous DC on met le sous AC, OK? Et puis on va tester pour nous voir combien volt input là y est pour comme ça nous jeune tester là. Ah, 120 volts, 120.5 comme nous avons marqué, OK? Si nous besoin de lumière, bon, moi comment le paraître? Il paraît lisible. Bon, moi si le besoin l'autre lumière. Si nous besoin plus de lumière, bon, moi est-ce que la paraît plus clair? OK. 120.5, OK? Ça c'est input là. Qu'on y a output là, on met sur 75 comme nous connaissons le bas 120, le bas légèrement plus parce que c'est 110 qui fait pour donc on va voir output là comme lié. Oh, on va switch on. OK. Switch on. Alors on met la 0. On met la 0 et bien switch li on. Et puis il y a 0 là, on a monté. On a mettre disons 70 pour nous, c'est la base 75.
Ok, j'ai monté la voyez, output là, on a testé output. Là, combien on a testé là, ouais, comment est-ce que c'est 70, il est allé à 70. Donc, je vais mettre à 75, ouais, c'est 75 range là, entre 75 et 130. On a balé pour nous essayer de faire un stable plus ou moins, vraiment. Si l'appareil n'a pas fonctionné sous lui, il est à 82, non, baisser plus. On s'y passe 75, on va se balé. Là. À combien? 78. On s'y descend. Là, on t'en suppose, bon, oh, top. Ok. On va tester là. 76. C'est tout petit. Ik. Ok. On va se balancer 75 quand même. There you go. 75.8.9. Ok. Ok. Donc, à partir de là, nous allons démarrer automatique voltage régulateur noir pour nous voir si la baille 110 plus ou moins et puis 220 nous sortir. On a fini connecter le d'abord après ça nous switch les on hein. Quitte même c'était sur non les mains il parti sous DC. Ah you know what on éteint. Ok non plugé bien ferme. Ok pas une possibilité pour contact toute baille isolée là. Hop. Ok, puis là, on va le start li. Et on. On va mettre gros charge sur lui. Ça fait fil, nous utiliser pas trop gros, non, mais on va mettre gros charge sur lui. Et puis, on va faire le même travail là. Voltage, et puis, on va mettre le sous. AC encore une fois. AC. Et puis, on va le tester. Cette fois-ci, il faut que nous gagnions un côté pour nous cabouer. Si on met le plug ça en dedans là. Plugel ça à la vie ok quand va arrêter donc ok songez à output de 75 on va vérifier à output non 75 point combien 75.8 ok il est bon mettez le pied à mettre là est-ce que lisible ok good ok et puis qu'on y a nous va tester dans 110 nous voulons ça n'a pas jeune section 110 m'a voulu pour ne pas carrer trop bien. Les montrer les bails 110 apparemment. On regarde pour nous 75 jeunes à l'entrée. Les bails 91, il va bail 110. Alors appareil a marché sur 91 là mais il va bail 110. Comme nous bail 75 75 là bas. Et puis nous va dans 220 section 220 pour nous voir combien le bail. 179. Est-ce que nous capoel devant même baril 179. Ok? 179. Donc là nous avons le minimum là, qui c'est 75 ans, il y a 91 avec 179. On a écrit l'autre côté, oui. 91, 179. On a fait comparaison. Yo. Ok, 75, implique. 91 dans section 110 là et puis dans section 221 179. Ok, ça c'est le nombre 75. Quand nous allons le vaciller dans le temps, nous allons le bal 130 là entre 75 et 130 pour nous ouais plus ou moins c'était bayo si c'est ça. Ok, nous faisons un petit tableau rapidement. Ok, vous nous avez comparé. Donc, le nom là, tout bien là. Kounia là, la bétaine. Nous n'avons pas besoin de varier la velle. Et puis, nous allons mettre là 130 volts. 130, 92, 115, 138, peut-être 134 là. Ok, on essaie. Output. Nous jouons trop. En bas, 130. Aïe. Ok, on essaie là. Output. 135. Trop. Je suppose que c'est bon là. On essaie là. 130. Pour se varier jusqu'à 130 exactement.
132. Je ne sais 29 la pointe. 131. Et puis ça nous remarque, variable voltage régulier rouge là, il est constant, hein, parce que le lien charge zoulé. Nous allons mettre charge zoulé pour nous la si on a déjà varié, ok? Nous venons à 130 là, et puis nous allons on, parce que nous avons marge là, hein. Nous startons là. Là, nous mettons par là, il est 120 combien? Disons 110. 150. Bon, il est bon dans l'intervalle là, de toute façon. Là, on a testé. Même bagarre là, dans la section 110. Combien de vols on a besoin? Nous jouons. Ah, il y a un bel stable, oui. Il y a 120, malgré nous jouons 130 à la sortie. Ouais, c'est un step down dans le plus bon. Il y a 120 là. Il y a 120, malgré nos balles 130. Nous avons vérifié. Là, c'est 130 nos balles dans l'output là. Là. Ok, qui vient de jouer là. Ouais, 130. Ok, il va être constant. Et puis, nous avons 220 pour nous voir combien nous avons besoin. Ça va pour nous barrer l'écran. Nous avons 240 exactement. Ok, ok. L'équimbel stable, global, excès de voltage. Mais si nous avons moins que ça a besoin, l'antigène, bon, anti-faiblesse. Ok. Donc, nous allons mettre un ventilateur sur lui pour nous voir si la pimbe est constante. Vraiment? Ok. Ok, très important, hein? La section 110 là, elle va fonctionner sous 220 là pour griller. Donc, nous mettons le n'importe côté. Ok, bien plugué, et puis, nous faisons partie. Ok, on va marcher là. Pas touché à rien, on va tirer la tête. Oh, 2, 3, bas maximum. Et puis, nous allons tester pour nous, ouais. C'est la pkembe, voltage il était gagné avant. Ok, c'est le plus ou moins bon constance dans le voltage là. Donc 110. On va barrer l'écran. Dans la section 110 là. 120, le kembe constamment. Tout de barrer bon. Hein? Le kembe stable, malgré le charge zoulé, il va varier. Et puis nous voilà l'output non là, comme le charge zoulé. Est-ce que la baille 130 là? 130, bon bagaille. Tout est appareil bon. Hein? Bon bagaille, qu'est-ce que tu as fait là? Ok, donc on a nous fin de phase. Bon, on voit à partir de combien la descend ni plus bas que 110. Parce que là, elle est 120 stable. Mais bon, moi, si nous avons 80. Ok, on éteint dans le. Si nous avons par exemple. 80, l'un débat 75, sinon bal 80. 80 volts, ok. 80, débat 75, sinon bal 80 par exemple. 89, nous bal 3. Un bal 80, là. Essayez. 83, tout petit. Là, supposons que 80. 81, ok, pas plus grave. Je vais mettre switch on. Ok, je vais mettre l'allumer. Alors, on teste. Pour nous remettre la baille à la sortie. La baille 97. On va arriver à 110. À partir de combien la baille 110? Bon, de toute façon. Nous faisons conclusion, hein? Depuis nous retenons entre 75 et 130 là, la fait apparaître le marché parce qu'il y a 91 de débat là, la marché. Donc, quand même, nous, comment on dit le bail? 91, 97, ok, apparaît le marché, désolé. Et puis, on va vous mettre charge parce que nous sommes stable. En Bali, 92. Est-ce que la baille 100 volts? 95.
100. Exactement. 100 volts, ok? Pour 100 volts. On voit combien la baille à la sortie. Je suppose que la baille 110 à partir de 100. Oh, 119. What? 120. À partir de 100 volts, il baille 120. Oh. Intéressant à partir de. 100 volts, il baille 120. Ok. Donc, on a la phase 200. Nous allons faire l'input 200. Donc, on avait éteint tout le bagaille, tout d'abord. Éteint. Et puis, les mêmes nous allons varier. Avant tout, avant de varier, pour éviter de ne pas oublier le switch. On, il faut que nous switch dans le dollar sur 220. On fait doucement. Voilà. Donc, on va faire un tournevis, même pas si c'est de faire là. There you go. Ok, de me faire, mais c'est un tournevis plat de faire. Nous mettons sous. Entre 180 et 260 volts. Ok? Donc ça arrive dans 230. Combien de tests d'ailleurs? 250. De façon, on va vérifier. Ok? Je pense jusqu'à 260. Là. Ok? Et. Ouais. On va varier. Voltage là. Non? Comment dire? 180. Ok? 180. Après 180, yeah, mettez-le là. On va mettre un clamp mirror là, ok? Donc, là on a testé pour nous voir combien de voltage nous y est. 168. On a besoin de 180, ok? Pour 220 ensuite. 168. Là on a testé. On dépasse les 180. 185, ok. On s'y back. Là, on a supposé bon. 176. Hop, top. Tout petit, c'est le DDE. 180, ok. Perfect. 180. Donc, on va mettre le switch sur 220-180. On switch on. On, on a pour combien on a besoin. Pour minimum, est-ce que nous avons 91, tout comme nous avons mis le talon à 75 là. Ok. Et minimum, nous avons possible. Libaï 107. Ha! Ou dans la section 110, il y 107 quand même. Ok, intéressant. 107. Donc 107.3. On écrit pour. En section 221, combien on a besoin? 211.8. Ok? 211.8. Donc, ça c'est. 110, 120, 75, okay, 180, 260. Donc, on y a, nous allons mettre sur 260 là. Que nous ne pas quoi nous avons, on va mettre sur maximum ça quand même pour nous combien nous avons. Et mais en tout temps, yeah, et puis après ça, on a fait l'autre test. Nous allons mettre charge sur lui. Ouais, nous allons mettre charge plus ou moins stable. Ok, va marcher. Section 110, depuis le rythme 120, nous n'avons pas de problème à apparaître. Ok, on a testé encore une fois 107.1 que le débat. 107.1, exactement. Waouh, on va parler de sur les deux là. Là, c'est sérieux qu'on fait là. Ok. Donc, on va mettre le ventilateur là. Switch off. Ok, et puis ça, on va mettre le sous maximum. 260 là. On va gagner 260, mais on prétend que. On va arriver. On va tester. Et on va aller comme ça. Bon, vous êtes là. Regardez. Et vous avez des pimps là. C'est changé, l'app changé sur AC, sur l'autre bail, mettre sur AC, ok. Voltage, ok. On a testé pour nous voir combien de vols nous y est. 254, 260, presque. Non, presque arrivé, 254. Pas plus mal, ok. Et puis, on a fait. On va lancer, 260, 254. Supposé que je viens de 120 à la sortie.
OK, switch on. Nous allons la sortir 110 là d'abord. Besoin pour nous écran bien. Yep, OK, nous bon là. Either one. Et toi, le gain n'importe là d'abord. OK, les bail combien? 116. Oh, OK, moi c'est d'abriver. 120 va arriver. 116.7. 116.7. Dans 220, on a pas combien de joints? N'importe là d'ailleurs. Depuis qu'on a fait. 232.9. 232.9, OK? Il te dit le cap bail, plus ou moins 232 en fait. 232.9. OK. En tout cas, le Kimbel stable. Il va nous 110, nous stable même le Nobel 221. Comme nous remarquons, plus que 220, hein? 254. Presque 260, les barres 110 pour fonctionner à 107. C'est ça? C'est ça? On va vérifier. Yeah, 107, les débats, 106, oh, 116, les débats, 117, 116.5, 116.5. Donc, les retenants marge entre 110 et 120 pour tout appareil fonctionner sans problème. Donc, là, on sous 260, hein, maximum ça va 254. On tire la marcher sous ça. Il baisse le bon moins, step down, il marche très bien, très très bien. Ok, sauf dans ce step up, on va trop bien contrôler vraiment. Mais ventilateur marche sans problème. Et bien, on va tester là-bas, nous 116 points. Combien de débats là encore? 116.1, comment c'était? 116.2, ouais. Ok. Ok. Et puis, la bétaine. On va une charge sur lui, bétaine. Et puis, qui va encore déconnecter. Et puis, M. Tournos fait la femelle. Mettez-le à 0. Switch off. Et puis, on mettez un petit testeur dans tout. Et puis, on va déconnecter tout le bagaille. Donc, en tout cas, nous, tout appareil, il y a une utilisation, il y a bien utile, non? Ça, on a acheté le dernier, on a vérifié, on a fait review sur lui, on a mis le bonhomme. Et puis, ça a son lot qui est très, très, très important parce que ça, on a un mando, il faut que. Sorry. Il faut que habile assez pour utiliser. Quand pour moi-même, je vais utiliser pour barrer PAM, mais si je vais servir avec pour mon lac à moi, je ne vais pas l'utiliser ça, je préfère que ça. Parce que ça, il est stable, on va gagner pour vivre, pour varier. Ça même on n'a pas seulement un bouton mais pendant la bite il touche un bagage il monte un voltage il va permettre bah sauter appareil sauter OK ça son bagage qui plus professionnel dans le sens du genre monde cap servir avec la faut qu'il connaît les mettre le côté en sécurité mais ça même on peut utiliser pour carreau sans problème pour amis tes et non abonnés tes et non l'idée gagne un inverter 220 de voie pour les autres en Europe là ça a bon pour lui OK ça a 5000 watts il permet d'utiliser toute bagage la carreau. On met air conditionné, on met ventilateur, on met frigidaire, sans problème. Ou alors, on n'a pas qu'à mettre deux air conditionnés qui sont dans la fenêtre, deux gros, mais si on met deux petits et puis la prend l'escalade, sans problème. Parce qu'on dit deux petits à 1000 watts, parce qu'on a une génératrice 2000 watts, deux petits à 2000 watts, hein? Ça qui dans la fenêtre. On a une génératrice qui était 2000 watts, et puis on met petit air conditionné sur les air conditionné à faire le goumet, faire l'été. Et génératrice à ton bon génératrice, donc. Mais quand même, petit petit, dans la fenêtre, il y a 2000 watts. Il y a quand même un boulot en courant. Gagné, ça qui est central, il y a des fois que vous avez 3 units pour mettre dans chaque chambre. Ça, c'est un petit champion économique. Gagné là, il y a paraît 1000 watts. À ce qu'il paraît. Donc, nous ne pouvons pas connaître. Il faut tester. C'est le niveau dans la pratique. Conseil de bagarre pour nous dire oui, c'est ça, c'est vrai. Parce que pour moi, nous avons fait publicité pour le cap 20 produits. Là, le cas dit n'importe qui bagaille. D'où l'importance de la vidéo pour nous mettre à l'épreuve, pour nous tester, pour nous essayer effectivement. Ça, c'est ça. Donc, pour apparaître ça, il te dit plus ou moins 4%. Ça, c'est une note que nous prenons à partir de tout ça que nous faisons là. Ok? Donc, et oui, comme nous avons vérifié 5%, à même 4% de tout le barrage. Ça veut dire que nous avons une marge 4% vraiment. Alors, normalement, pour c'est 4.4 qui. Et on dit 4%,
qui c'est moins ou bien plus 110 ans. C'est 4%. Là, nous faisons 4%. Ah, mais... Là, nous faisons 4.4 là. Plus 110, c'est 114.4. Ok? Comme ça, tout, là, nous faisons moins 110. Libanon 105.6. Donc, ça, je dis, pas trop respecté à 100%, mais quand même, la permet tout appareil de marcher. Hein? Et puis, pour 220, c'est de même. On nous fait 220 et. Alors, bon, moi, ça va être. Mais c'était 110 pour BBT. 110, là, au pot, là, 110, exactement. Et puis 220. Il dit plus ou moins 4%. Plus ou moins 4%. Et il n'est pas respecté à 100%. Quand on a parlé pour 220. 220 multiplié par 4 et vous divisez par 100. Il y a 8.8. Bon, c'est ça. Logique. Ok, il y a 8.8. Si nous faisons 8.8, que nous gagnons plus 220 égale à 228.8. Ok, maximum pour le débat. Mais nous arrivons à jouer à 232. Pour le débat respecter vraiment. Mais pour 240, il va sauter à Paris. Parce que Paris a marché entre 220 et 240, dans l'intervalle. Ça. Et puis, si nous faisons moins, 8.8 moins 220 égale à 211. Est-ce que nous avons mis 200? Oh, yes, respectez ça. Hein? Respectez, ok? Pour partir 211.8, là, il va 211.2, les respecter. Mais pour l'autre angle, pas trop marché. Il n'est pas trop précis, mais quand même, il permet tout appareil de fonctionner. Hein? Quitte c'est sous 220, quitte c'est sous 110. Il n'est pas sauté. Important. Hein? Donc, l'expérience a été assez intéressante. Côté nous, appareil ça, il n'est pas sauté appareil. Yo. Peu importe, alors, de vous parler dans l'intervalle de là, même le, comme nous sommes, il n'est pas à 100%. Précis, j'en veux dire, égal là-bas ou plus ou moins 4%, ok, si, qui est au bas inférieur ou bien qui est au bas supérieur là, il n'est pas respecté, mais en fait, qui est sûr, la protéger appareil ou yo. La protéger appareil ou parce que appareil sans disio a fonctionné. Bon, on dit, normalement, il n'y a pas fonctionné en 89, qui est un poule qui peut faire, l'autre poule blanc surtout, mais bagage sans disque a fonctionné, on dit entre 89 88 volts. Pour jusqu'à 120 dans l'intervalle ça a fonctionné 89 là la très faible oui. Logiquement parlant entre 110 et 120 a fonctionné très bien mais sous balle 89 88 89 volts je pense qu'il a fonctionné tout quelque appareil ok et puis il était bas 91 les mêmes puis petit que le bail ok le nombre 75 dans le bail 91 c'est sûr que l'appareil a marché et puis le novin bal maximum là qui c'est 130 il était bas 120 l'appareil a marché sans problème. Rivé encore, le nombal sous section 180-260 là, le nombal 181, il était 107.1, la fonctionné sans problème. Et puis, le nombal 260 là, il était 116.7, sans problème. Tout comme l'autre appareil qui fonctionnait sous 220, yo, margin, alors intervalle là, c'est 220-240, mais légèrement plus bas que 220, la fonctionné. Le nombal. Ok, dans section 75-130 là, il était bas 179, il va arriver près de 200, peut-être comme il va utiliser l'appareil sous 220, il n'a pas marché. Mais quand même, le nouveau bal 130 là, ça y est, l'un des bas 75 bas 179, mais le nouveau bal 130, il était bas 239.2, 240, il a fonctionné sans problème. Quand il y a l'autre bois, le nom sous l'autre section, nous switchons entre 181, pour section 221, il était bas 211.8. Appareil marché, pas rien d'autre sur ça. Et puis, c'est 220, 240, mais 211 d'app marché, pas rien d'autre. Et puis, le nom est sous 260 là, soi-disant, il débat 254, et puis il était banon 232.9. Donc, appareil n'a pas marché sans problème, il n'a pas sauté appareil. En fait, qui sur, il n'a pas sauté pièce appareil, ok? Appareil là, il n'a pas marché, peut-être l'aide descend trop bas, 75 volts quand même. Ou bas en bas, 75 volts. Il ne faut pas avoir un courant du tout, mais en tout cas, ça va sortir, son courant, il y a votre. 5 boss sous 10 qui fonctionnent sous les à la fois. En tout cas, l'expérience est assez intéressante. Appareil, ça est important pour les gens qui ont un Wallator, quelques appareils qui fonctionnent sous 220. Et quelques machines à laver qui fonctionnent sous 220. Si vous avez pour partir dans l'épicerie, ça pour gagner. Donc, nous, ça, ça sont des barils qui vendent 196$. Il n'est pas exagéré. C'est-à-dire, si vous avez un inverteur, on dit
on 5-6 000 watts d'inverter pour qui a coûté I don't know. On 900 $, 1000 $ déjà, vous comprenez? Ça vous a acheté pour 196 $ pour compléter, pour servir à tout appareil à la carrière. Tant pour jeter une vêtée ou bien pas servir à elle du tout. Donc, c'est ça important. Et puis, tout pour, si nous avons un appareil qui fonctionne sur 220 $, la fait marcher sans problème. Et nous avons stabilité dans toute vérification de fait, courant restable, même si nous mettons un ventilateur sur le patron, ça peut être environ 60 watts. Mais quand même, c'est quelque chose. Il ne faut pas varier. Il y a l'autre appareil qu'on connaît, automatiquement, on met pas sur lui, le coup il descend, on sent une différence. Ok? Sur ce, je dis tout le monde, si vous êtes inscrit sur la chaîne, profitez de ça. C'est une véritable façon pour encourager, donc pour nous toujours continuer à faire belle vidéo pour vous. Ok? Et puis, partagez la vidéo avec le monde, partagez le link. Pas download, vous voyez ça, le link pour nous partager. Et puis, qui l'autre bail encore? Sur ce, je dis tout le monde, KBFM, encouragez, n'a frappé du. Nous pouvons faire l'autre vidéo, pas inquiétez, ça, mais si c'est important pour nous faire beaucoup de là, nous faisons, ça y est tout appareil, nous avons acheté, nous avons fini, nous checkons. Mais, nous pouvons faire vidéo dans qui l'ordre, nous pouvons faire premier ordre à 400 watts là, nous pouvons montrer tout le monde comment vous faites une installation 400 watts avec fuse, breaker, sur un board, nous avons tout quitté là, sur le board là. Et puis, nous pouvons mettre un charge contrôleur sur les aussi, si le board là, nous pouvons un charge contrôleur, parce que nous avons quelques charge contrôleur, pourquoi pas, mettez une, ok, nous avons montré. Et puis, l'autre vidéo, nous allons faire après. Alors, après ça, là, nous allons faire ça sur 400 watts. Là. Et puis, nous allons quitter le bord là, tout bas et tout là. Et puis, nous allons faire l'autre sur 24 volts. Là. Nous allons quitter le bord là, tout bas là. Et puis, pour l'heure, nous allons utiliser aussi le scope là. Pour nous juste aller bord là, connecter, clic-clic pour le cas bien facile. Pour ne pas perdre du scope. Ok? Nous allons dire tout le monde, et qu'on va faire à la prochaine. Bon bagaille!